Le contrôle qualité est un processus essentiel pour garantir la fiabilité des produits et veiller à la santé et à la sécurité des consommateurs. Dans les brasseries du Burkina, les matières premières et consommables qui constituent l'ensemble des éléments entrant dans la production des boissons sont soumises à un contrôle rigoureux avant leur homologation. Les fournisseurs de la Burkina sont sélectionnés selon leur capacité à fournir à la Burkina des produits de qualité répondant au cahier de charges. Et ce cahier de charge est établi à partir des exigences de nos partenaires, des exigences du groupe et de la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Les matières premières et consommables sont constituées de plusieurs types de produits. Ce sont notamment le gris de maïs issu de l'agriculture locale, le malt, les concentrés de boissons qui représentent les matières premières principales et les consommables que sont les bouchons et les étiquettes. Pour le gris de maïs, le malt ou encore les concentrés qui entrent directement dans la préparation des boissons, ils sont livrés par des fournisseurs en règle avec les prescriptions de qualité exigées. Avrocel Industries SA est une entreprise engagée dans la démarche qualité. Nous fournissons à la Burkina notre principal client depuis 2013 du gris de maïs qui est une matière première entrant dans sa production. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique qualité, la Burkina exige que nos produits soient conformes aux spécifications technologiques, réglementaires, physico-chimiques et organoleptiques. Afin de s'assurer de la qualité des matières premières fournies, la Burkina procède régulièrement à des évaluations et à des audits pour permettre aux fournisseurs d'améliorer leurs prestations. Tous les fournisseurs de la Burkina sont évalués au moins une fois l'an. Et les résultats de cette évaluation leur sont communiqués en toute transparence afin qu'ils puissent définir des actions correctives visant à améliorer la qualité de leurs prestations. Et cette évaluation concerne les aspects qualité, sécurité et environnement de la prestation. Une fois l'ensemble des matières premières homologuées, celles-ci sont réceptionnées puis stockées dans les magasins de la Burkina en fonction de leur nature. Le malt et le maïs sont entreposés dans les magasins à température ambiante et les concentrés de boissons dans des chambres réfrigérées. Conformément aux procédures qualité, le stockage des matières premières répond à plusieurs étapes de vérification. À la réception d'une commande, la première étape est d'abord le contrôle documentaire, à savoir que le fournisseur doit nous délivrer un certificat d'analyse et de conformité pour le produit qu'il nous livre. Il doit nous délivrer un bordereau de livraison sur lequel il mentionne la référence commande du produit qu'il livre ainsi que la quantité. La deuxième étape, nous procédons ensuite au déchargement. Lorsqu'il s'agit par exemple du maïs, nous vérifions le marquage des emballages, à savoir est-ce que sur les sacs nous voyons la date de fabrication du produit, la DLO, c'est-à-dire la date optimale d'utilisation du produit. Et enfin, nous assurons que le sac est intègre. Il n'est pas déchiré, il est hermétiquement fermé. Après réception des matières premières dans les magasins, le laboratoire de la Burkina effectue des prélèvements de chaque produit stocké. Les échantillons prélevés sont soumis à des analyses microbiologiques et à des tests physico-chimiques. Nous procédons à l'échantillonnage de la matière première. L'échantillon prélevé est envoyé au laboratoire pour les analyses physico-chimiques et ou microbiologiques. Comme analyse physico-chimique, nous contrôlons le taux d'humidité, les matières grasses, entre autres. Comme analyse microbiologique, nous recherchons les germes totaux, les coliformes fécaux et totaux, entre autres. À l'issue de ces analyses, les résultats sont consignés sur une fiche et transmises à la hiérarchie pour décision finale. Dans le processus de contrôle qualité des matières premières, la dégustation est une étape essentielle. Elle constitue le dernier point de contrôle avant la production ou la commercialisation des boissons. Face à la problématique de la qualité des produits alimentaires mis sur le marché, il convient que l'examen des matières premières soit une exigence pour garantir des produits fiables. À travers un contrôle qualité strict appliqué aux matières premières et consommables, les brasseries du Burkina veillent donc à la maîtrise de l'ensemble des composants entrant dans la production de leurs boissons, afin de garantir à l'ensemble des consommateurs des produits plus sûrs.